Bonjour, aujourd'hui je vous présente une démonstration de réalité augmentée à l'aide des HoloLens de Microsoft. Nous voyons un hologramme surexposé à la réalité de notre vision, un cadre jaune, c'est la zone d'attention. L'action à mener est indiquée par la flèche verte. L'objectif est d'abaisser un disjoncteur en particulier, celui en vert. Dans la fenêtre en bas à droite, nous voyons l'opérateur muni des HoloLens effectuer la manipulation en même temps. Une fois celle-ci détectée par le casque, un pop-up apparaît demandant confirmation de l'action. On valide à l'aide d'un geste, puis le casque indique que nous devons tourner la tête pour la suite de la procédure. La flèche jaune indique le lieu de la prochaine manipulation. Le cadre jaune identifie la zone d'attention. La flèche verte indique la manipulation à effectuer. Ici, abaisser la manette rouge, comme indiqué par la cinématique. Une fois effectué, on confirme à lens avec un geste. Pour terminer, nous nous retrouvons face à un débimètre. De chaque côté, des notes d'utilisation et de fonctionnement sont disposées. Nous avons accès à l'information du débimètre facilement et intuitivement. En s'approchant, nous pouvons en lire plus facilement comme s'il s'agissait d'un véritable document papier suspendu de part et d'autre du débitmètre. Autre point intéressant de l'utilisation des hololens, c'est de voir ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, le réseau de tuyaux emmuré ou enterré. La maquette du réseau est issue de plans puis modélisée pour obtenir ce rendu. Merci de votre attention.